Je connais un peu mieux aujourd'hui certaines des survivantes. Vous savez, elles sont très touchantes parce que quand elles me voient, ben, elles m'embrassent parce qu'elles sont reconnaissantes que je prenne cette thématique et leur souffrance à cœur. Et en même temps, moi, quand je suis avec elles, eh bien, que voulez-vous, quand j'entends leurs histoires, on pleure ensemble et on rit ensemble aussi parce que la vie est plus forte, heureusement, et que la vie continue. Vous me demandez une histoire, il y en a une qui est venue vers moi, qui a pris ma main, qui a mis ma main sur sa clavicule. Elle avait la clavicule complètement déformée et le bras mal en point. Et elle m'a dit, vous savez, madame, regardez, j'ai été violée par 5 hommes. J'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, j'ai vu qu'ils étaient à 5 et ils m'ont cassé tout le bras et la clavicule. On n'arrive plus à remettre les choses en place. Vous savez, ça vous marque. Et ce n'est qu'une histoire.